nación defiende sus colores. Para la nación soportamos futbolistas. Hay una familia atrás de cada equipo. Un continente mejor, una África unida. Bonjour Mathieu Kosamoué, bienvenue dans la rubrique ou la chronique avec du sport. Et c'est tout le monde du sport dedans. Aujourd'hui, on est où? Dans ce beau stade que l'on appelle Stade de l'Amitié d'Angondjé, cet entre que vous connaissez beaucoup parce que vous aimez les Panthères et vous y êtes très souvent. Il y a quelques instants seulement, les Panthères appriment. Vous savez, ces joueurs-là qui sont allés gagner au Tchad par 2-0, ils s'entraînaient. On était avec eux et on sera avec eux dans quelques instants pour redécouvrir dans un autre inside exceptionnel ces joueurs-là qui ont été jugés stratosphériques il y a quelques instants. Samedi, ce sera le match, mais nous, on a envie de savoir dans quel état d'esprit ils sont, comment ils préparent ce match-là et où est-ce qu'ils vont nous emmener samedi. Et finalement, ça sera Panthère au sous ou ça sera Panthère bleu. Allez, regardez-nous, suivez-nous. Defiende sus colores. Para la nación soportamos futbolistas. Hay una familia atrás de cada equipo. Un continente mejor, una África unida. Honramos nuestra África, somos todos hermanos, vivimos la alegría. Se nos desea todo suerte. Gabón, Guinea Ecuatorial. Dans les premières escales, on ne sait pas exactement qui est dans cette chambre-là. Écoutez la musique, c'est de la musique du Hutogui, ça doit être un garde manga sport quand même. Je rigole. Ah ouais, mon cher Romuald, allez, tu nous fais visiter? On entre ou pas? Tranquille. Bon allez. Ah, viens la chambre. Non, tu peux la diminuer si tu veux. Ouais. Tu peux diminuer. Ouais, ce serait pas mal. Pas mal, salut. En forme? Ouais. C'est bon? Belle visite, on est dans une belle chambre. Moi je peux m'asseoir là. Et puis mon cher Romuald, mais tu approches ou je me mets carrément au milieu. Je ne vais pas trop me mettre à l'aise sur votre... Hein? Ça va? C'est quoi ton nom? Ce serait bien que tu te présentes avant qu'on arrive à notre ami Romuald. Ouais. Ganjuma. Ah oui, d'accord. C'est toi? Ça va? C'est bien. Nous on est venu prendre la température en fait. Où en êtes-vous naturellement? Après avoir gagné un match, vous êtes certainement très heureux. Comment ça a été là-bas et comment vous vous sentez à présent? Là-bas, avec la chaleur, je parle, ça arrive à se reposer quand même. La chaleur, oh là là, il fait très chaud à Jamena. Hein. Jamena, après on s'habitue, voilà. On a pu gagner là-bas. Et ici, le groupe est bon pour s'habituer. Allez, cool, c'était bien, c'était un super match. Moi, je te félicite, toi. Et après, on va féliciter notre ami Romuald Tiki. T'aimes pas trop les caméras, Romuald, je sais. On t'a presque supplié pour être là. Mais comment tu te sens? D'abord, on a vu que tu as fait un super match. C'était bien, vous avez couru partout, même s'il faisait très chaud. Comment vous avez vécu cette rencontre-là, personnellement? Et même si tu as quand même de l'expérience, ça a été quand même une rude épreuve. Ouais, c'est vrai que c'était une rude épreuve, vu que c'était pas facile déjà dès le départ avec le soleil qu'il y a à Jamena. On a fait avec, c'est ça la compétition, on est arrivé prêt, on était serré et puis on a fait le boulot qu'il fallait et puis Dieu merci, on a fini par gagner par 2-0. Le boulot qu'il fallait, nous on vous a senti quand même serein parce qu'on est venu ici avant le match, avant que vous ayez en Jamena, vous nous aviez dit que vous étiez sûr de gagner, mais arrivé là-bas, quand le match a commencé, est-ce que vous avez senti une pression différente quand même? Parce que le Tchad vous a quand même battu il y a un an ici à la CEMAC. Oui, c'est vrai, il y avait une pression, disons, bon, une pression pour nous motiver. Déjà, on était confiants au départ, vu les trois sorties qu'on a eu à faire avant d'y aller jouer à Jamena. On était déjà confiants et puis on est arrivé, comme je vous disais tantôt, c'est vrai qu'on était confiants, mais avec l'opposition que Jamena a eu à nous mettre en place. Bien sûr. C'était difficile avec le climat pour ne pas me répéter, c'était difficile. Et au départ, après tout de suite, on a su qu'il y a quelque chose à faire, c'est possible de faire quelque chose ici. On est allé à fond et puis ce qui s'est passé, on le sait tous. Merci, allez donc bonne chance pour le week-end. Merci. Nous on va aller rencontrer d'autres gens un tout petit peu par hasard comme ça. J'espère que ça sera la belle ambiance. Allez, okay, à la prochaine. Aller, merci. Bonne chance, samedi on sera au stade. Cool, non, ça va être ça marche. Allez, merci les gars. Allez, on bon. On va danser samedi ensemble, allez, bien sûr. On va sortir ça. Okay, merci, bon, à plus okay, les gars. Deuxième étape, on va rencontrer d'autres gens par hasard. Allez. Qui c'est qui est là?
Mon cher Wilfried, hein. Ça va bien? Ouais, Wilfried Abessol, on peut entrer ou pas? Ouais, ok, merci. On fait un tout petit peu le tour pour voir comment vous vivez cette ambiance-là. Franck, ça va? Allez, je suis venu vous faire une petite visite de courtoisie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je peux m'asseoir où? Je peux m'asseoir ici? Allez, Will, c'est bon, tu t'assois, on se dit deux, trois petits trucs, tu vois? Entre nous. Non, mais ouais, tu peux t'approcher. Voilà. Allez, nous, on est un tout petit peu le relais de toutes ces personnes-là qui vous ont aperçu et qui vous ont peut-être entendu à la radio. Parce que moi, j'ai écouté le match à la radio. Je l'ai regardé à peine sur Télé N'Djamena. Comment vous avez vécu ce match-là, personnellement? Et la question, c'est comment vous préparez le prochain match? Parce que tout le monde dit, il ne faut pas que vous vous relâchiez quand même. Normalement, ouais, bon, déjà, nous sommes très contents. On a fait un bon déplacement. Ce n'était pas facile. Le Tchad était très, très, très difficile. La chaleur, le synthétique. Bof. Dieu merci, on a fait un bon résultat, on s'est donné à fond. Puis on espère qu'au match retour, on va faire mieux. Déjà, le match retour, bon, pour nous, on va le prendre comme on a pris le match aller. On va le prendre tranquillement, on est serein. Là déjà, c'est pas la même manière qu'on a préparé le match aller, parce que le match aller, on ne connaissait pas l'adversaire. Là déjà, on connaît l'adversaire. Donc on ne va pas aller observer, on va jouer notre jeu tranquillement. On va conserver et puis après, tranquillement, on va préparer le but. Et puis après, si ça vient, ça vient. Mais on est très, 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 très serein. Pendant quand vous serez qualifié, on va venir faire la fête avec vous. Il ne faudra pas nous oublier dans ces cas-là. Non, ça ira. Ça marche, ça ira. Allez, merci les gars. Allez, merci Franck. Bon, à plus et bonne chance pour samedi. Hein. Merci. Okay. Dernière étape, on rencontre les coachs. Salut coach. Ça va? Bien, coach. En forme? Vous êtes devenu un habitué d'Espace Jeune et d'Espace Sport. Coach, on fait un petit récap de ce qui s'est passé en N'Djamena et finalement comment cette victoire-là a été s'est dessinée en guillemets et comment vous vivez cet après-match. Parce qu'en fait, il reste un vrai moment décisif ce samedi. C'est samedi, c'est vrai, mais déjà c'est une grosse satisfaction de la performance des joueurs. Donc, il faut savoir raison garder. J'ai ramené tout le monde sur terre. Il ne faut pas tomber dans l'euphorie. Ne pas s'enflammer, bien sûr. Voilà, bien sûr, le premier match il est terminé. Mais nous l'avions très bien préparé parce que j'avais confiance à cette équipe. Parce que déjà, au sorti des trois matchs amicaux que nous avions fait, on a essayé de régler le problème que nous avions. C'était un problème offensif. Hein. Bien sûr. L'entraînement a été beaucoup plus axé sur la finalisation. Animation offensive, exactement. Voilà, donc on a beaucoup travaillé devant le but et ça s'est concrétisé à N'Djamena. On aurait pu peut-être remarquer deux ou trois autres buts, pour que cela nous tienne. On respecte l'adversaire et on a pu marquer deux. Je ne peux être que satisfait. On espère que vous en mettrez un peu plus au stade de l'amitié. Inch'Allah. Dieu est grand, Dieu est grand. Il faut, l'homme propose, Dieu dispose. Exactement, mais c'est notre objectif de gagner ce match. Alors nous, on sait qu'il y aura du spectacle. Nous, la dernière fois, moi j'ai écouté le match à la radio, c'était pas mal. Merci. Mais on sera au stade et on fera la fête après. Merci. Vous nous inviterez, coach. Merci, je vous promets qu'on va tout faire pour ravir notre public parce qu'on a un magnifique public. Donc, on a aussi le devoir de lui renvoyer l'ascenseur. Allez, mesdames, messieurs, en route pour le Rwanda 2016. Escale, Stéphane Bétier Kimoto. Salut, Steph. Bonsoir. Comment se retrouve? Ça va bien. Il y a du monde dans ta. On peut rentrer quand même? Oui, il y a un petit. On fait pas de bruit. Stéphane, on est avec Yann quoi? Salut mon cher. Romaric Rogombe, Edmond Mouélé. Ça fait quoi d'être avec des garçons que l'on regarde à la télé souvent? On va quand même s'asseoir là avant de revenir avec Steph. Steph, tu te mets là ou pas? Oui. Tu te mets là, je parle avec mon ami Edmond. Je peux avoir la pomme aussi? Ou tu me donnes la bottine? Non, c'est pas grave. Tu me donnes la bottine? Bon, allez, avant de venir à Axel Meillet. Aucun paysan ne te dérange pas, non? Et pas du tout. Edmond, on t'a vu dans la chaleur de N'Djamena en train de courir sur tout le terrain. Explique-nous comment ça a été, vous, cette victoire-là, à l'arraché, non? Vous avez été plutôt à l'aise, mais vous avez quand même souffert. Hein. Oui, à N'Djamena, déjà, il faut savoir qu'on a aussi joué contre le climat. Hein. Il y avait déjà le climat qui était difficile, et le terrain synthétique, nous ne sommes pas habitués à ce genre de terrain-là, mais c'était quand même difficile. C'est vrai que c'était quand même déjà un peu facile parce qu'on avait quand même mené le débat. Mm-hmm. C'était quand même quelque chose de bien. Des vrais bons joueurs. Allez, on vient avec notre ami Axel. Mais il regarde les photos de N'Djamena. Je veux partir avec une de ces photos. Axel, dis-nous comment ça a été. Le match, tu l'as vécu comment, toi? Et puis, est-ce que finalement, c'était un vrai ouf de soulagement? Est-ce qu'il y avait une pression personnelle et collective aussi? Oui, il y a toujours de la pression. Vous savez, un match de foot,
tu peux jouer 60 matchs, mais à chaque fois que tu rentres sur le terrain, tu as toujours la pression. Bien sûr. On voulait faire honneur à mon grand frère Ogombe qui s'est blessé. Qui était blessé, ouais. Ok. Et donc, je savais que d'une part ou d'autre, la clé du match reposait sur mes épaules. Et ce qui a été bien fait d'ailleurs. Ce qui a été vraiment bien fait grâce à. Ah, au grand Steph qui nous a beaucoup aidé. Ben ouais, parlons-en justement. On est dans la chambre du capitaine Stéphane. Allez Stéphane, nous on t'a vu ici, on a senti avant de partir en terminant, on t'a parlé. Tu nous as dit que vous étiez plutôt confiant et finalement ça s'est confirmé. Mais comment ça s'est dessiné tout ça? Ouais, c'est comme je vous ai dit avant de partir, on a eu à beaucoup travailler toute la semaine. On a vraiment souffert, on a cravaché pour préparer ce match. Et comme on dit, la manière dont vous entraînez, c'est comme ça que vous jouez. Ça a été le cas le week-end. On ne peut pas dire à l'aise, mais on se sentait bien. On se sentait bien dans la peau, collectivement et individuellement. Merci Steph. Romaric, ce serait bien que tu nous dises un mot, quoi. Tu es blessé, est-ce que tu crois que tu vas jouer samedi? Tu crois? Non. Tu veux le faire ou pas? Le grand Mouelet a dit que tu ne joueras pas. Finalement, tu te sens comment et tu t'es senti comment? Est-ce que tu étais content pour les gars, le fait qu'ils aient gagné malgré? Déjà, on savait que ça devait être difficile. Il fallait être unis autant que nous étions. Et de loin, il fallait être avec eux. Et voilà pourquoi on a regardé le match et on était très contents. Fiers parce qu'on fait partie de ce groupe-là. On n'a pas fait le déplacement, mais on fait partie de ce groupe-là. Donc, pour nous, déjà, c'était une fierté parce que c'est d'abord le vert jaune bleu. L'important, c'est ça. Donc. Maintenant, par rapport à moi, je sens que ça va. Maintenant, ça dépendra du coach. Je me suis en train de reprendre tout à l'heure. Sans peut-être aussi que je serais trop juste. Bon, allez, on te préserve. Allez. Allez, mesdames, messieurs, dans une belle ambiance avec de bons joueurs que l'on voit souvent à la télé. Moi, j'ai l'honneur d'être là. Espace Sport, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. Et c'est déjà pas mal.